sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture sur les finances pour les personnes du signe zodiaque Taureau. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, ok? Alright, voyons à ce qui se passe ici avec les taureaux. Hi angels, please give me a reading for the Taurus for the month of December 2019. Can I please have Taurus energy in regards to the finances for the month of December 2019? Taurus finances. December 2019. Taurus finances. December 2019. Taurus finances. December 2019. Thank you so much. Okay. Les taureaux. Certains d'entre vous, pendant le mois de décembre, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous voulez toujours être dépendant d'une autre personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous ne vivez pas seul. Il est probable que vous viviez ici soit avec votre fiancé, votre copain, un colocataire, ou juste un camarade de classe here. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous vivez toujours avec vos frères, vos soeurs, something like that. Mais il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous n'êtes pas encore prêt à sortir de votre zone de confortabilité, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vous donnez encore 3 ans avant de prendre la décision de parcourir le monde par vous-même, parcourir le monde avec vos propres ailes. Donc, vous pouvez toujours ici être un étudiant ou vous êtes peut-être ici quelqu'un qui vit avec son manager ou bien vous êtes en tout cas ici quelqu'un qui voudrait toujours dépendre d'une autre personne, d'accord? Parce que je vois ici quelqu'un qui s'occupe de vous. On a quelqu'un ici qui s'occupe de vous. On a quelqu'un ici qui paye vos factures. On a quelqu'un ici qui vous lance même des éloges, d'accord? Puis, c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que si vous ne voulez pas réellement vous focaliser sur votre situation financière, carrière, école, etc., il est probable que vous soyez même ici à la recherche d'un copain, un petit ami, un fiancé, qui soit capable de vous donner ce que vous lui demandez ou qui soit encore capable de s'occuper de vous comme une princesse, d'accord? Oui, c'est un parti dans vos par contre, il est important de savoir que vous n'avez plus que 3 ans avant d'avoir à vivre seul, ok? So, si vous avez l'impression que vous risquez d'être encore dans une certaine situation pendant très longtemps, sachez que d'ici 2 à 3 ans, cette situation risque de prendre fin une bonne fois pour toutes et vous allez carrément ici être obligé de vous débrouiller seul. Et je vois ici ce nouveau chapitre d'indépendance là qui risque d'être vraiment très, très difficile pour vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous allez ici avoir peut-être même l'impression que certaines personnes sont en train de vous abandonner. Vous allez ici avoir l'impression que vous ne pouvez plus voyager ou que vous ne pouvez plus faire les choses que vous faisiez dans le passé. Et ça risque de vous poser un peu de problème, mais tout ira bien, ok? So, ah, c'est pour ceux qui veulent être un peu trop dépendants là, over here.
Pour une autre partie d'entre vous, par contre, si vous êtes ici dans une entreprise, etc., il est probable que vous ayez ici pour habitude de cacher vos fautes derrière votre manager ou encore que vous ayez ici pour habitude de laisser votre patron, votre manager, réparer vos erreurs à votre place au lieu de faire face ici à des situations que vous avez vous-même causé, ok? Et il est important pour vous d'essayer de sortir de ce mode-là, ce mode où vous aimez toujours vous cacher derrière vos collègues, etc., afin de pouvoir affronter ici certaines erreurs que vous faites, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui aime vraiment se rapprocher de ses patrons. On a quelqu'un ici qui aime toujours être très, très proche de ses patrons afin d'éviter le drame au travail, afin d'éviter les problèmes, ok? Et il est important ici pour vous d'apprendre à faire face à vos responsabilités, d'apprendre à faire face à vous-même, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici étudiant et que vous vivez aussi tous les jours sous la tutelle de vos parents. Vous n'êtes pas mineur, mais vous êtes à un certain âge où, voilà, peut-être vous avez aussi eu les résultats d'un certain examen ou encore vous attendez les résultats d'un certain examen, etc. Il est probable que très bientôt vous ayez à voyager, d'accord? Parce que je vois ici un voyage. Et pendant ce voyage, c'est un voyage ici qui vous anime. C'est un peu comme si vous êtes impatient de partir, vous êtes impatient d'être indépendant, vous êtes impatient ici d'être peut-être même livré à vous-même. Mais on a les anges qui voudraient vous dire déjà en avance de ne pas croire que tout vous sera servi sur un plat d'argent, parce que vous risquez de rencontrer certaines personnes qui n'ont pas la même mentalité que vous. Vous risquez ici de rencontrer certaines personnes qui sont très selfish, donc des gens qui pensent qu'à eux-mêmes avant de penser aux autres. Et il sera important pour vous de savoir comment manager cette situation. Il sera ici important pour vous de savoir comment faire pour faire face à certaines personnes. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est important que vous soyez aussi averti d'une certaine discrimination que vous risquez de subir. Vous pouvez subir ici cette discrimination au sein de votre entreprise au cas où vous avez décidé de voyager pour trouver un travail dans une autre ville, cité, région ou pays. Vous risquez aussi ici de subir une certaine discrimination dans le point où certaines personnes vont toujours penser qu'ils sont meilleurs que vous, peut-être parce qu'ils sont plus âgés que vous ou peut-être parce qu'ils font partie d'une secte, d'un certain groupe d'élite, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes ici sur le point de trouver un travail à soi, il est probable que vous ayez très bientôt à travailler pour certaines personnes qui sont très très riches, d'accord? Donc vous risquez ici peut-être d'avoir des patrons qui sont déjà millionnaires, milliardaires, en tout cas des personnes qui pour eux, vous ne serez pas, vous ne serez vraiment like nobody, quoi. C'est juste des pises, des gens qui peuvent remplacer à n'importe quel moment qu'ils veulent, something like that. So, si vous êtes sur le point de trouver un nouveau travail, si vous êtes ici sur le point de rentrer dans une nouvelle indépendance, il est important pour vous de ne pas, de ne pas réellement vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas réellement vous laisser tordre vos émotions par des personnes qui sont sans foi ni loi, des personnes qui pensent que voilà, l'argent fait tout dans le monde ou encore que l'argent même est le monde, whatever. Et que vous essayez, malgré les difficultés, de montrer que vous êtes capable ici de rester à votre poste, que vous êtes ici capable de travailler indépendamment, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, vous risquez même ici d'avoir un boulot où il n'y aura pas réellement beaucoup d'aide ou bien vous n'aurez pas réellement... Vous n'aurez pas réellement de guidance venant de vos patrons. So, il sera ici vraiment très important pour vous de trouver comment faire pour soit être sous l'appui d'une autre personne qui était dans l'entreprise avant vous ou encore devenir ici l'appui même de quelqu'un d'autre qui risque d'être employé au même moment que vous, d'accord? Here. Very interesting. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va voir un peu ce qui se passe ici dans la suite.
Ok, si vous voulez avoir la suite de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Verseau, Gémeaux, Cancer, Poisson. Ok? Donc voilà les amis, bisous et bye bye.